Je fais moi-même assez régulièrement de comparer pour y réfléchir hein, à ce qu'a été l'évolution du mouvement écologiste et ce que est peut-être en train de devenir le mouvement transhumaniste. On est peut-être déjà passé par certaines des phases que le mouvement écologiste avait passées à ses tout débuts, si on réfléchit aux années 60 puis 70. Et donc on est peut-être en train d'avancer dans cette direction-là. En effet, l'apparition de premiers embryons hein, de parti ou d'expression politique directe du transhumanisme dans le monde, notamment dans les pays anglo-saxons pour l'instant, donne à penser qu'on pourrait aller dans cette direction. Et d'ailleurs, même en France, il y a des gens qui ont commencé à réfléchir à l'éventualité d'engagement en politique. Alors, ça discute dans la nébuleuse transhumaniste, mais au jour d'aujourd'hui, la majorité, semble-t-il, considère que eh bien, notre société n'est peut-être pas encore tout à fait mûre. Prête, voilà, c'est pour ça. passer à cette étape là, bon, on verra bien de quoi l'avenir sera fait, mais personnellement, je ne serais pas étonné qu'à un moment donné ou à un autre, il y ait en France également des expressions. Comment vous expliquez, Margot, et puis tous autour de la table?